j'effectue un travail sur moi. Au fur et à mesure de cette introspection et de la participation à ces différents ateliers, j'ai pu acquérir des outils. Mais il y avait toujours ce petit truc en fait. Toujours cette incompréhension pour certaines situations. Et j'avais besoin de rechercher de l'aide à chaque fois, puisque je ne comprenais pas. Dans cet atelier, j'ai vu un moyen de comprendre déjà ce qui se passait. Et aussi une manière de devenir encore plus autonome vis-à-vis de moi-même. Certaines personnes sont parties de mon environnement et ça a été vraiment bénéfique puisque ça m'a permis d'assainir mon environnement, notamment au niveau sentimental. J'avais besoin aussi de trouver le courage de dire certaines choses à certaines personnes au niveau de mon environnement familial et cet atelier m'a permis de trouver le courage de faire ça et de respecter mon espace et de ne plus être dans mes carcans familiaux. Dernier changement, c'est au niveau professionnel. J'ai réussi à faire en sorte qu'au niveau de mon environnement professionnel, ce soit plus calme, moins stressant, moins agressif et j'ai réussi à obtenir de la reconnaissance sans la chercher. Plus de sérénité, plus de calme par rapport aux situations que j'ai eu à vivre. Parce que même si elles m'ont bouleversée, je ne dis pas qu'on ne ressent plus rien. C'est pas vrai. Même si oui, on est traversé par certaines émotions, il y a toujours une part de calme et toujours, toujours cette sensation de tout va bien se passer en fait. Tout va bien se passer parce que maintenant je comprends ce qui se passe. Armelle nous a transmis un processus de déprogrammation des mémoires cellulaires que j'ai pour l'instant effectué à deux reprises. Au moment où on l'effectue, on ne se rend pas compte en fait. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On ne se rend pas compte de la portée que ça a, du pouvoir que ça a. On se dit non mais moi je n'y arrive pas. Mais en fait, la vie nous montre que si, en fait. J'ai pu respirer, que j'ai pu sortir de cet état émotionnel, que j'ai pu assainir mon environnement. Ça permet de souffler, quoi. Elle s'occupe du groupe, mais elle s'occupe aussi de chacun d'entre nous. Et le fait de travailler en groupe, c'est vraiment quelque chose qui se prêtait à la thématique de cet atelier, parce que comprendre ce qui ne se réalise pas, c'est comprendre nos mécanismes, comprendre le déroulement de la vie. Ça permettait également d'avoir une lecture plus large pour ce qui nous concernait, parce que nous avions notre propre interprétation, mais également tout ce qu'apportaient les membres du groupe. Ce qui me plaît en fait dans l'accompagnement avec Armelle, c'est d'abord sa justesse dans l'interprétation de ce qui se joue pour nous. En fait, dans sa faculté à trouver le point central par rapport à la problématique de chaque situation. C'est vraiment cette capacité à nous permettre d'évoluer rapidement et en même temps de prendre en compte tous les aspects de la situation et tous les aspects de notre vie. On y gagne tellement à se prendre soi-même par la main et à participer à différents ateliers comme ça, que oui, on peut se complaire dans ce qui va pas et se dire de toute façon, ben c'est pas pour moi, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, ça peut être pour tout le monde et on peut être tellement bien quoi.